Je parle super loin du micro, ça va le faire. Coucou mes citrons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une vidéo qui n'est pas spéciale du tout, hein, mais qui va vous plaire, j'espère. Et ben rappelez-vous, il y a super longtemps, j'avais créé des collections, enfin très peu de collections, donc celle-ci, ceci d'ailleurs. À mon grand étonnement, le short a fait masse de lovey, donc ça c'était franchement au tout début quand je commençais. Et bah du coup il y avait le haut citronné et le short citronné ainsi que la robe citronnée. Bon la robe franchement elle est pas ouf et vous l'avez quand même bien aimé. Je ne sais pas si je peux le remettre en vente le short designer 15 à YouTube. Bah écoutez... bon ça rapporte rien franchement, ça rapporte pas grand chose. Mais on va remettre en vente... On peut le mettre en vente. Oh, nice. Bah, on va... Ah non, par contre... Là, ça veut dire quoi? Alors là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les VIP qui peuvent l'acheter? Ou est-ce que c'est uniquement les VIP qui peuvent en vendre en x50? J'espère que vous pourrez l'acheter même si vous n'êtes pas VIP. Il me semble qu'il y a un délire. Peut-être... Désolé, quelque chose n'a pas fonctionné. Ah bah, c'est pas cool. On va essayer de le vendre en 20. Quelque chose n'a pas fonctionné. Et si on essaye de le short, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Bah écoutez, tant pis. De toute façon, j'avais l'intention de les refaire. On va recréer une nouvelle collection citron. On va voir ce que nous avons là à proposer. En plus, c'est vrai qu'apparemment, il y a des nouvelles choses qu'avant, il n'y avait pas. Il me semble que du coup, il n'y avait pas ça avant. Il y avait certaines choses qui n'apparaissaient pas. Bah, surtout ce qui était sur la première page, ça apparaissait, mais pas le reste. Et on va partir sur la création. De la création. Celui-là, ça peut être cool de faire sur une robe comme ça. Mais bon, je préfère peut-être sur un haut. Refaire sur un t-shirt simple ou un débardeur. Enfin, faire quelque chose de pas trop non plus sophistiqué. Ou j'aimerais beaucoup, c'est aussi celle-ci. Celle-ci, ça m'intéresse énormément. Et si on part sur un motif. Ok, bah pour l'instant, je teste. Hein. Je teste. On regarde un peu ce qu'il y a. Ah non, ça c'est des diamants que ça coûte. Ça c'est des diamants. Non, c'est pas beau. Ils sont les citrons. Non, franchement c'est pas ouf. Je pense que les motifs sur la veste en elle-même, c'est pas terrible. À moins ça, franchement il y a moyen de faire un truc comme ça, mais version citronnée. Pour faire un truc comme ça avec de l'orange plutôt. Peut-être dans les tons un peu plus. Voilà. Et ça, mettre... Peut-être mettre du gris. Le gris, c'est quand même pas mal. Et là, peut-être plus sur un jaune. Voilà, un jaune, jaune beige. Un truc un peu plus clair. Ah, et là, on fait... Ah oui, là, on peut agrandir. Non, comme ça c'est sympa, comme ça c'est bien, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Ensuite ici, normalement c'est dans la bouffe. Et normalement nous avons un citron quelque part qui se balade. Ils l'ont pas retiré j'espère le citron. Ah si il est là, mais d'accord, ouais c'est un VIP. Du coup ça veut dire qu'il faut être VIP pour, utiliser... enfin, pour acheter après à la création. Ah c'est relou. C'est relou. Pourquoi vous faites ça, Monkey Star Planet? Vous détruisez le citron. Le citron devrait être disponible pour tout le monde. Va falloir faire une manifestation sur Monkey Star Planet pour pouvoir rendre accessible à tout le monde le citron. Je trouve ça dommage. En plus, c'est pas comme si c'était un truc de malade, quoi. C'est juste un citron. Du coup, c'est triste. C'est extrêmement triste. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Non, on peut mettre qu'un seul en plus. Hop, on le met au milieu. Oulé ! Oui, il est passé, citron. Oh, c'est dommage ! Dommage ! Bah, je pense que le haut, du coup, on le fera sans le citron pour qu'il soit disponible à tout le monde. Mais du coup, au niveau de la couleur, je vais changer. Mais est-ce que nous avons quelque chose de disponible quand même dans les tons jaunes et qui ne soit pas vide pour que tout le monde puisse en profiter. Non, c'est pas ce que je voulais mettre. Pour que tout le monde puisse en profiter, ça c'est vraiment dommage, franchement. En plus, il y a des trucs VIP, ils sont pas ouf et c'est VIP quoi. Enfin, Movie Star quoi. Non, non.
Regardez, même la fraise, elle est pas vive. Pourquoi le citron, il est vive? Bon, je sais, le citron est very important de personne, mais quand même, abusez pas. Oh là là, mon dieu. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Ouais, peut-être un écriteau. Oh, c'est dommage, je suis allée, puis il est sympa. Oh, ça, c'est sympa. Je peux pas changer la couleur? Vous êtes sérieux, les gars? Ça va pas du tout au niveau de la couleur avec ce que je propose au niveau des t-shirts. C'est pas bien, hein. Et il n'y a pas le Q, ça c'est quoi? C'est un O? Il faut regarder, il y a l'alphabet. Et puis il n'y a pas l'alphabet de tout l'alphabet, quoi. C'est triste. Ah si, il est là. Et la couleur, on peut pas changer? Attendez, je peux pas mettre plus petit que ça, si je peux. Voilà, on va mettre un tout petit clin d'œil tout en bas à droite du t-shirt pour faire genre c'est la collection 15L. Bon, je vous avouerai que le Q il est pas ouf. Hein. Franchement, j'aurais préféré un truc genre comme le R, tu vois. C'est beaucoup plus stylé. Mais bon, voilà, un petit clin d'œil pour ceux qui le remarqueront, parce que peut-être il y a des gens qui n'auront pas vu la vidéo et qui achèteront peut-être, je ne sais pas. Cette collection, ben voilà, ça fait un petit, tout petit clin d'œil. Ben écoutez, je pense qu'on va rien rajouter d'autre. Parce que d'ailleurs, on peut rajouter un autre truc par-dessus. Mais franchement, là, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien quand même mettre un petit truc, là, sur... Ah non, ça a enlevé le cul. Bon, il était pas super beau, le cul, mais quand même. Bah, déjà, là, le t-shirt... Non, ça, je voulais pas changer. Ouais, c'est ça que je voulais changer. On va peut-être mettre un sorte de jaune... un petit peu, qui fait un petit peu moins mal aux yeux. Ouais, celui-là il est sympa. Et ça, ouais, c'était lequel? C'était celui-ci. On peut laisser ça. Et ça, c'est quoi? C'est des boutons? Ah, peut-être des boutons gris. Ouais. Bah écoutez, je suis plutôt contente. On va peut-être juste remettre le petit... Oh, merci Reine des Cerises. Bah, vous voyez, il y a encore dans mon cuffetu. Merci à Reine des Cerises et Savannah Swag parce qu'elle m'a déjà envoyé des salutations tout à l'heure. Je te refais de très très gros bisous. Merci beaucoup pour les salutations, c'est super gentil. En plus, elle a un look assez atypique, donc c'est vachement cool. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci, bah voilà, remerciement en plus en vidéo. Ça fait plaisir. Alors attendez, on va essayer de retrouver le petit cul. On va voir sur le jaune comment que ça va faire. ACMNOP. En fait, si, il y a toute l'alphabet, c'est juste moi qui sais pas dire l'alphabet, lol. Voilà, un petit cul en bas à droite. Dit comme ça, un petit cul en bas à droite, c'est très spécial. Mais écoutez, le haut est prêt. Bah, il coûtera 115, bon ça va, hein, ça va. Et bah du coup, on va aller nouveau design. On va l'appeler veste citronnée. Voilà. Le nouveau design. Et comment ça se fait que les os, je ne peux pas les mettre en vente? Je peux l'acheter, mais comment ça se fait? Il est où? Il est où? Elle est où la veste? Je peux pas la mettre en vente ou elle est déjà en vente? J'ai rien choisi moi en fait. Ok. Bah attendez, de toute façon je voulais mettre un haut et on va mettre quand même un bas pour que ça puisse... Alors au niveau des bas, comment on a le choix? C'est vrai qu'avec une petite jupe comme ça... En plus la jupe là, elle est sympa. Ouais. Avec des petits motifs. On va voir les motifs, ce qu'il y a. J'ai jamais vraiment regardé jusqu'au bout. Mais des petits motifs. Non. Non, pas trop, non. Là, on a déjà... Oh, quoique... Est-ce qu'on fait genre la jupe militaire assortie à la veste... À la veste citronnée? Non, ça fait pas très beau. Ça peut être quand même sympa. Ça peut être sympa, ça fait un peu genre citron, mais genre cheap, quoi. C'est cheap, quoi. Citron, mais cheap. Puisque nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas ajouter de citron, puisque sinon ça va devenir VIP. Et je veux vraiment que la collection soit accessible aux non-VIP comme aux VIP. Donc on va mettre le petit cul encore une fois. En bas à droite de la jupe. Vraiment, faire genre c'est la collection. Quoique, vu qu'on l'a déjà mis en bas à droite, on va la mettre en bas à gauche. Bon, on va la mettre là, voilà. Ici, c'est bien.
peut pas faire plus petit si on peut. Voilà, vraiment que pour que ce soit discret, parce que déjà que le cul il est pas très très beau, faut dire ce qui est. Si en plus il était gros, bah voilà, merci, bonjour quoi. Enfin bon, ça je pense qu'on va rien ajouter d'autre, ce sera quelque chose de simple. Du coup on va marquer jupe citronnée. La petite collection. Mais du coup est-ce que le haut, je sais pas si ça va bien avec hein, le haut militaire avec le bas. De toute façon je vais me l'acheter moi. Parce que je sais même pas si j'ai acheté mes trucs, mes propres trucs à moi, si j'ai pu me les acheter. Oh, je suis en train de coudre. Oh, oh. Ah bah peut-être qu'il faut que je me le fasse à moi-même pour pouvoir le remettre. D'accord, je comprends mieux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de création. Bah, tu m'as envoyé pour les votes hein, tant qu'à faire, hein, ça me coûte rien. Et ça, je vais me l'acheter aussi. Voilà, voilà. Et on va le porter, bah voilà. On va le porter. Et bien sûr, on va le mettre en vente. Donc j'espère que si je mets ça, tout le monde pourra le prendre. Et ça, pareil. Hop. Voilà. Et ça, c'est toujours en vente, ah ouais. Ah bah oui. C'est toujours en vente. Et ça, je comprends pas. Pourquoi? Même si j'en fais que 3. Mais dites-moi si vous savez pourquoi je peux pas le remettre en vente. Parce que franchement, j'ai un peu la flemme de les refaire, quoi. Tu vois, franchement, il était bien, mais malheureusement, il n'y a que les VIP. Peut-être que je vais le reproduire, ça irait bien avec la jupe. Mais du coup, je suis désolée pour les non-VIP. Ouais, on va quand même le refaire. Mais je suis désolée pour les non-VIP. Je suis vraiment, vraiment désolée. Parce que c'est vrai que c'est pas voulu. Hein. C'est pas contre vous. Hein. C'est vraiment Movie Star, quoi. Merci, bonjour, caca, quoi. Même Madame Toilette, elle serait là, elle serait excédée, quoi. Je suis pas d'accord. Ah, c'était aussi les ronds. C'était quel rond? C'était les ronds là. Mais si on peut mettre ceux-là. Non, les autres, ils sont quand même un peu plus sympas. Donc là, c'est... Voilà. C'est à peu près ça. Et en motif, on va remettre le citron. Qui était vers la fin, ouais. Voilà, le citron. Qui était genre ici. En assez gros, quoi. Et le motif, attendez, parce que le motif, j'aime pas comment que ça rend. Voilà, comme ça, ça fait mieux. Ouais, comme ça, c'est un petit peu mieux, le motif, de nouveau, maintenant. Ouais. Ok, je vais pas mettre le cul, parce que je ne peux pas, parce que j'ai déjà le citron. Et du coup, ça va être le t-shirt citronné. Édition limitée. Voilà, donc bon, bah, je suis désolée hein, pour les non-VIP. Hein, je suis désolée vraiment. Et franchement, ça me fait chier que les citrons soient dispo uniquement pour les personnes qui sont VIP. Parce que franchement, ça devrait être accessible à tout le monde. Mais je vais quand même le mettre en vente et je suis vraiment navrée. Vraiment, tu as déjà 3 designs à vendre. Tu dois vendre sans rupture de stock ou annuler une vente. D'accord. Enfin, je pense que je vais annuler la robe, elle est pas si belle que ça. Bon, ça va encore, mais voilà. Hein, voilà. De toute façon, c'est pareil, hein, c'est que pour les VIP, mais je trouve que le t-shirt, il est un peu mieux. Ouais, je le trouve limite, mais mieux que le premier que j'avais fait. Parce que le citron, il est un peu mieux placé, je trouve. Et avec les ronds un peu plus gros, ça fait quand même un peu plus joli. En tout cas, le haut et le bas, ça rend bien. D'ailleurs, on va enlever le superflu qu'il y a autour. On va aller dans les habits, on va enlever la veste en jeans et faire un petit peu un look potable avec ce qu'il y a. C'est vrai qu'on pourrait faire aussi des chaussures. Alors attendez, on va enlever ça, on va enlever ça, la veste. On va juste mettre des cheveux à peu près corrects. Ouais, ça passe. On tient cela. Et des chaussures. Petites chaussures, voilà, des chaussures simples. Avec des chaussettes, ça passe. Quoique, ouais, ceux-là. Bah voilà, le nouveau look citronné. Le haut, il va bien avec. Mais également, je pense que je peux voir. Attendez, parce que ça, je voulais pas montrer. Mais je pense qu'on peut également voir la veste qui doit être dans mes derniers trucs. Parce que la veste, elle est sympa aussi. Franchement, les t-shirts, il est peut-être uniquement pour les VIP. Mais franchement, je trouve que le haut que j'ai fait, il vaut quand même la peine. Ah non, ça devrait être soit ça. Voilà, c'est ça. Franchement. Le haut là, il vaut aussi la peine. Il est sympa. Bon, il n'y a pas le petit détail qui tue.
Mais vous avez le petit cul de Kinzel ici aussi, et du coup ça fait quand même un ensemble sympathique. Voilà, en plus avec l'été qui approche, et ben le jaune, et ben c'est une couleur très à la mode, voilà. Bah écoutez, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette nouvelle collection vous plaira. Ça fait en plus super longtemps que j'ai pas fait. Bon, c'est vrai que c'est un peu un copier-coller, hein, la petite jupe et le haut là. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et du coup, bah n'hésitez pas à aller voir et à l'acheter si vous voulez. Parce que je pense que je vais faire des petites éditions limitées comme ça de temps en temps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.